C'est assez impressionnant, je dois dire. Oulala, qu'est-ce que je fais là? Pas rassurant ce qui se passe, hein, moi je trouve. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo très spéciale, puisqu'aujourd'hui on n'est pas à la maison, on n'est pas aux écuries, on est à Équitalion, plus précisément dans le Hall Western où je vais monter à cheval. Je vais faire deux initiations ici, une initiation au cutting pour faire du tri de bétail et une initiation au reining sur les carrières juste derrière moi. Apparemment je vais monter un cheval plutôt sympa avec une très belle crinière, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Bon bah écoutez, c'est parti hein. La clé du twist, c'est de te détendre et pas d'anticiper. Ouais, ok. T'es droitière ? Oui, je suis droitière. Voilà. Et ben tiens, la corde de main. Tu pousses sur la corde. Tu pousses, tu tires pas. Donc le but, c'est que tu avances droit dessus, tu vas t'arrêter à 3-4 mètres, tu vas l'aider avec ta main pendant une longueur à la mettre dessus. Ok. Et on te dira, pose ta main, détends et tu la laisses t'aider. Et... Merci beaucoup, ça c'est court. C'est assez impressionnant, je dois dire, ça faut s'accrocher. Ça s'écoute pas mal et ça surprend au début. Merci beaucoup à vous en tout cas. C'est merveilleux, j'aime bien faire du western plus souvent. On a bien vu que le cheval était capté dans l'orange, en fait on a des vaches. Et ce drapeau imite les mouvements de la vache. Et cette jument, par exemple, est très très focus sur la vache. Et travaille vraiment en fonction de ce que la vache fait. Oui, c'est impressionnant. Surprenant, impressionnant. Je suis encore en vie, je ne suis pas morte. Quand ils m'ont dit pose ta main et accroche-toi, bah, c'est ce que j'ai fait, mais ça change de d'habitude parce qu'elle faisait tout toute seule, j'avais juste à m'accrocher au pommeau et à pas bouger. On va essayer la suite. Merci beaucoup Lynn de nous prêter ce beau cheval, comment il s'appelle? Otavio. Et ça fait longtemps que vous le montez? Ça fait 2 ans que je l'ai. C'est quoi le secret pour une crinière comme ça? Beaucoup de soins. Et ça vient avec la crinière en fait, on peut pas faire grand chose pour que ça pousse comme ça, il est arrivé comme ça et après il faut le soigner évidemment. La discipline qu'on va faire aujourd'hui c'est quoi? Du reining. Ça fait longtemps que tu en fais du coup? Oui, ça fait longtemps ouais. On peut essayer? Oui bien sûr, vas-y. Les strass sur la selle j'aime beaucoup, hein. C'est très très beau. Ouais, le reining ça va avec beaucoup de bling, c'est ouais, normal. Ouais, il y a tout en rose et tout, c'est magnifique. Allez. Voilà. Oh, la crinière est magnifique. Tu n'as jamais monté en western? Si, un petit peu, mais okay. Pas plus que ça. J'ai fait du ranch trail. Super. Ce que je conseille toujours aux gens qui font ça la première fois, tu montes bien ton pied dans les étriers. Pour que tu puisses bien pousser dans les étriers. On va galoper d'abord. Droite comme ça? Ouais. On va peut-être juste raccourcir un tout petit peu. Ok, tu regardes juste où tu vas et tu l'emmènes. Et pour mettre en avant, mets un petit peu de jambes et tu cliques. Voilà. En reining, on aime bien avoir les reines longues, montrer que le cheval, il est très autonome. Ouais. Tu vas bien mettre ta main en avant et il n'y a en fait pas trop long si tu veux. Évidemment, il ne faut pas qu'il marche dedans, d'accord? Oui. On aime bien avoir les... C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle reining, parce que c'est le cheval qui reste bien entre les rênes. Ouais, ok. D'accord? On n'a pas beaucoup de contact quand on choisit un cheval de reining, c'est surtout lui montrer qu'il est libre devant. Ok. D'accord? Très contrairement au dressage, on ne met pas tout le temps les jambes. Enlève tes jambes, tu mets ta main en avant, clique. Et un coup de jambe, un petit coup, voilà, voilà. Il cherche à comprendre, c'est bien. Voilà. Et regarde où tu vas. Voilà. Ah oui, ça c'est mon gros problème. Voilà, ça c'est bien. Pars au galop maintenant. Tu envoies la jambe intérieure vers l'avant. Ok. Tu recules ta jambe extérieure et tu envoies un bisou. Un bisou comment? Ok. Ah oui, c'est pas blague. Quand je change de main, je garde les rênes dans la même main. Oui, c'est ça. Ok. Bisou et regarde où tu vas. Voilà. Voilà, écoute talent et tu... Voilà, voilà. Ça c'est bien. Reste pas collé. Ouais. Voilà.
Ok. Et quand tu veux, tu peux dire wow et ouvrir tes jambes pour t'arrêter. Wow. Voilà. Ça va. Bien. S'arrêter, ça va. Un spin, tu veux essayer? Oui, je veux bien. C'est ça. Il est jamais monté voir quelqu'un d'autre que moi, donc. Ah bah, bah quel honneur, merci non, beaucoup. Non, mais c'est pour ça qu'il cherche un peu à comprendre. Oui, il me connaît pas et moi je suis là. Ok. Ok, pour les spins, très important. Tu pousses dans les deux étriers, tu écartes tes jambes. Ok. Et tu déplaces ta main vers ta hanche. Ok. Ok. Tu viens avec ta main et tu cliques. Normalement, t'as pas besoin de mettre de jambes. Oui, parce qu'il se décale. Tu laisses faire. Et quand il va pas, là tu peux mettre un coup de talon, mais tu enlèves tout de suite. Ok, et c'est la jambe, elle se met au niveau de la sangle ici. Juste tu écartes tes jambes. Ok. Pousse oui. vers le bas. Tu vois comment en dressage, on dit toujours. Pousse vers le bas. Les mangles, machin. Ouais, c'est ça, c'est okay. juste ça. Okay. Ça a l'air trop facile quand c'est dit comme ça. En réalité, c'est moins facile quand oui, même. Oui, c'est sûr. Comme ça. Ouais. Et clique. Voilà. Et voilà. Un peu de jambes. Voilà. Encore? Ok. Tac, et de l'autre côté. Et ouvre vraiment bien tes jambes vers le côté, d'accord? Ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Tu serres juste les jambes, tu dis wow. Le cheval est dressé, je donne pas les bonnes indications. Je pense que c'est parce que tu as juste mis un petit j'ai peu mis de main un peu de mort depuis et donc recule. Ouais. Ouais. C'est impressionnant à quelle fois ils sont relâchés. Ouais. Là, tu déplaces ta main à gauche et tire pas trop sur tes rênes. Une fois qu'il est dedans, laisse ta, voilà, laisse comme ta main ça, là. Ici? Ouais, pousse dans tes étriers. Voilà. Pas en avant, ouais, ça va. Un peu plus de jambes. Ouais. Et penche pas vers la gauche. Ouais. Ok. Tu vas juste te mettre un petit peu en arrière et garde tes jambes sur le côté, mais pas devant, tu vois. Ouais. Parce que quand tu spins, tu mets tes jambes, en fait, tu mets tes jambes devant. Du coup, tu bloques son épaule pour venir chercher ah, okay. ça à côté. Je les mets juste les... comme okay. ça. Mais bien relâché. Non, tu peux pousser, tu peux les garder enfin, sous pas tension. Pas collé à lui. Pas collé à lui. Vas-y. Voilà, ça c'est mieux. Et laisse ta main un petit peu plus. Voilà. J'ai l'impression d'aller hyper vite alors que je vais à 2 heures. J'ai l'impression déjà que c'est le maximum. Non. Là, c'est très doucement, là. Ouais. Ouais. Oui, c'est doucement, ouais. C'est très on doucement. Enfin, déjà, ça tourne vite pour moi. Oui, quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude, c'est ça surprend. Ouais. Pousse. Mets un coup des deux jambes, là. Voilà. Et t'enlèves. Jambe droite. Mets un coup aux jambes droites. Okay. Bon, il fait peu d'efforts là. On a fait quelques spins où je dois tourner. Alors j'avais l'impression d'aller très très vite, mais c'était très très lent. Enfin, vous pouvez le constater à la vidéo. C'est assez impressionnant et c'est pas facile à faire. En fait, quand on voit des cavaliers western le faire, on dirait qu'il se passe rien. C'est comme en dressage. Il bouge 1 cm et le cheval fait quelque chose. Et en réalité, c'est très compliqué. Et j'ai pas du tout les boutons. Mais on a essayé et là, on va essayer de faire un arrêt. Donc de galoper et de s'arrêter. On espère que ça va fonctionner. Main gauche et puis tu pars tout droit là-bas. Tu regardes tout droit et tu le mets bien en avant. Déjà, tu peux mettre au galop sur un et puis après, tu pars là-bas, tu vois les sorties de secours là-haut. Tu regardes oui, ce spin, okay, ça. Tu l'accélères et au bout, tu dis wow. Wow. Ah. Le mot le plus bancal de la Terre. Il faut qu'il court plus, il faut qu'il croit plus. Encore plus. Ah oui, quand tu dis wow, il stoppe toujours. Tu cours et cours. Et juste quand tu veux, tu ouvres les jambes, tu dis wow. C'est pas rassurant ce qui se passe, hein, moi je trouve. Si, 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 ça va. Cours, cours, regarde loin. Wow! S'arrête pour la caméra! J'ai déjà vu. Tu veux faire un petit rollback? Tu regardes derrière toi. Je regarde derrière à droite. Moi. Regarde à droite. Il se passe des choses, d'accord. Regarde alors. À droite, tu bouges un tout petit peu ta main, t'envoies un bisou et tu mets ta jambe en même temps. Tu pousses le cheval 180 degrés dans l'autre sens. Ok. Essaye, ok? Ouais. Un rollback, c'est juste un demi-tour de 180 degrés ouais. avec un départ au galop. Donc en fait, tu pars juste au galop dans l'autre sens, d'accord? Ok. Donc dans ta tête, juste tu fais et tu pars. Voilà, super! Oh! Oui, et dans l'autre sens, refais. Voilà, super! Oh! Il sait que la propriétaire est là. Non. Il s'arrête ici. Ouais. Merci beaucoup. Ça t'a plu? Ah, c'est trop bien. Faut que je travaille un peu là parce oui. que. Oui, c'est un sport qui est très dans le détail, autant pour les chevaux que pour le ouais. cavalier. Et puis, l'idée, c'est que ça a l'air simple. Mais même moi, enfin,
c'est pas simple. C'est pas facile, non. C'est plein de petits détails. Ah, oui, c'est ça. Et puis, il y a des petites choses qui vont pas, ça suffit que tout soit mal, en fait. On vend aux gens que c'est super facile, mais c'est très... Après, c'est chouette, par contre. Ouais, non, c'est trop bien. Mais merci beaucoup, mais non, avec grand plaisir. Voilà, tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager et de me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je vous réserve quelques surprises pour la suite sur YouTube. On se dit rendez-vous dimanche prochain pour une très grosse surprise. Des bisous.